salle. Alors, c'est Cimarron. Sur son stand, je vends des huiles cosmétiques pharmacopées, traditionnelles du terroir des Antilles. C'est du boulot, tout ça. De l'huile de roucou. Hein, l'huile de roucou. Les Arawak, on les appelait les peaux rouges. Donc, l'huile de roucou à base de cet enduit qui rendait la peau rouge, eh bien, on protégeait des morsures du soleil. On protégeait aussi des piqûres de moustiques. Mais sous forme d'huile comme ça, ça équilibre le bronzage. Et en même temps, ça protège la peau du soleil. Bien sûr, vous voyez tous ces savons. Je vais vous montrer. C'est du boulot. Tous ces savons-là, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas tous ces produits comme du parfum et tout ça, dont certains sont allergiques. Alors regardez, vous voyez, de la pulpe d'ananas fermentée avec de l'huile de chanvre. Faites maison. Voilà. Hein? Et de l'huile de carotte à froid. Bien sûr, la technique d'extraction, aussi à chaud. Voilà, voilà, voilà. Une huile de giromon, hein, qui est un peu comme l'huile de jojoba parce que finalement, c'est pas très gras. Et ça hydrate bien la peau parce qu'elle absorbe vite. Vous voyez ce petit savon-là? On dirait un biscuit. Il y a du fruit à pain, de la papaye, différentes huiles, du bois d'Inde. Il y a de l'avocat, de la chair d'avocat déshydratée avec son huile. Et bien sûr, il y a des pépins de maracuja, donc du fruit de la passion, qui sont moulus pour faire du goma. Vous imaginez bien que quand je fais un savon solide comme ça, celui-là c'est hibiscus, pulpe d'ananas, cassia alata. Donc cassia alata, cette plante-là, hein, cette plante-là qui est bon, bien sûr, pour tous les dermatoses. Donc j'en ai mis dedans avec de la glycérine naturelle, hein, la glycérine végétale, comme ça. Voilà. Vous avez du savon goma? Ah, bien sûr, il y a de l'huile de roucou. Ils sont trop bons. Il n'y a pas de parfum. Hein, les senteurs que vous voyez, c'est les senteurs des plantes ou des fruits. Les pulpes de fruits. Donc oui, si tu as l'habitude d'avoir un shampoing ou un parfum où il y a au taquet de parfum dedans, et ça va sentir très fort. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'est très désagréable. Le parfum en soi n'est pas désagréable, mais l'odeur est tellement forte et insistante qu'on sent que ça imprègne d'une manière qui n'est pas naturelle, justement. Hein? Vous voyez le gros thym. Et c'est une plante qu'on sert pour la cuisine. Les feuilles de noni qui servent d'emballage. Donc celui-là, fruits à pain, banane, aloe vera et chair d'avocat. Je vous ai déjà montré la chair d'avocat. Déshydraté avec son huile. Regarde. Tu vois? Alors quand tu prends un petit bout comme ça, ce qui est terrible, c'est qu'à peine tu presses comme ça, et regarde. Déjà, on a l'huile d'avocat. On a déjà l'huile d'avocat qui en sort. Hein, vous voyez. Et donc cette huile-là, bien sûr, hein, c'est une huile qui est formidable pour la peau, les cheveux. Mais elle est très très grasse. C'est une huile très très grasse. Mais c'est un élément que j'utilise dans les savons. Donc quand vous voyez avocat avec son huile, c'est pas de l'huile que j'ai achetée où il y a de la... vous savez pas quoi dedans. Hein? C'est vraiment, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Par exemple, tu as des savons comme ça. Hein? Ou tu as de l'aloe, de l'aloès, certains qui disent. Et du cactus, la raquette de cactus. Comme c'est Noël, il y a les musiques de Noël. Donc on met chanter Noël. Vous voyez, c'est mon petit stand. Avec le madras, hein, bien sûr.
hein, même si on a plein de petits produits là. Alors, chutney, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ça, c'est de la confiture de curcuma, ou du curcuma, hein, comme ça, du curcuma, avec du gingembre en confiture, mais avec du piment fort, bon damanjac. Donc c'est mélangé. Nous avons des poudres, bien sûr, médicinales. Le doliprane végétal. Cataplasme de cassia alata. Alors ça, c'est bon pour cicatrisation, plaie à vif, tout ce que vous voulez. Les graines de moringa, confites dans le miel pays. Les fèves de cacao, non torréfiées dans le miel pays. La poudre de guadin. La poudre de moringa. Tout ça fait maison, hein, bien sûr. La poudre d'aloe. Et cette poudre-là, vous pouvez mettre juste un petit peu dans de l'eau. 1 litre, 2 cuillères, ça vous fait du jus. Piment végétarien en confiture. Son confit. Le piment, là, qui pique pas, mais c'est trop bon. Abricot pays. Pour ceux qui connaissent, regardez, abricot pays Antilles. Vous allez voir, c'est gros comme un pamplemousse, voire plus gros. Savon huile infusion. Sans oublier les petits romarangés de Noël. Hein? Donc celui-là, ce petit rhum-là, il y a du basilic, de la fève de cacao, cannelle, miel, rhum, groseille pays. Donc la groseille, là c'est un peu rouge, vous voyez. Ponche avec du jus de moringa, des quenettes. Gros format, hein, en ponche là. Donc vous avez corosol, fruits à pain. Zeste d'orange amère, pulpe d'ananas, gratin basilic et groseille avec du rhum local. Bien sûr, à 50 degrés dilué dans du jus, il n'est plus à 50 degrés, ça fait un petit punch. Et là, bien sûr, le gros format, quenette, jus de moringa, groseille. Hein, comme je vous ai dit, je fais les farines sans gluten. À partir de quoi? Du fruit à pain. Je vous invite à aller voir ce que c'est que du fruit à pain. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais les petites biscottes comme ça. Hein? Et ensuite, elles sont passées au moulin. Ça nous fait de la farine. On peut tout faire avec. Crêpes, pâtes, panées, tout ce que vous voulez. Hein? Toutes les huiles faites maison, bien sûr. Hein? L'huile de bois d'Inde, l'huile de coco. Hein? Ce n'est pas l'huile de coco que vous avez dans le commerce, hein, celle-là. Hein? C'est fait main, pressage à froid, il n'y a pas de glycérine, de je sais pas quoi dedans. Celui-là, moringa, très bon pour faire pousser les cheveux, pour revitaliser la peau. L'huile de noni, hein, bien sûr, l'huile de noni, eh ben là, c'est cicatrisant, c'est astringent. Les feuilles, je les donne pour frotter le savon avec. Voilà. Les savons. Celui-là, c'est chair d'ananas et de papaye. Avec mes huiles. Je sais pas comment ça se fait que des gens peuvent dire que ça sent pas bon. C'est alors que, voilà, tu vois. Il y a de l'aloe vera naturel dedans, non transformé, incorporé dans ce savon. Il y a du soufre, du baume de moringa avec les fleurs et les graines. Avec aussi des graines de papaye moulues, tu vois. Des fois, je mets du curcuma dedans. Tu vois, ça a des bonnes propriétés pour la peau. Alors, c'est incroyable. Alors, le moringa en infusion, bien sûr. Le bois d'Inde en infusion. Le doliprane naturel en infusion. À tout mot, pour tous les mots. Alors les fleuves, les feuilles, les écorces et les fleurs. Basilic violet, basilic vert avec de la citronnelle. On a tout, on a tout. Merci les amis, à très bientôt. Cimarron. Yes, I am.